Bonjour à tous, on va attendre un petit peu que les autres arrivent et on va commencer notre cours. J'espère que vous allez bien. Très bien, allez, on va attaquer le cours. Comme d'habitude, je vais dire bonjour à tout le monde. Alors attendez, qui est là? Ashley est là, bonjour Ashley, j'espère que vous allez bien. Marwa est là, Abir est là. Sifer, je ne sais pas comment on doit prononcer. Juan est là, et Save the Best est là, bonjour. Bonjour à tous, j'espère que vous avez vos cafés ou votre thé. Coucou, on va attaquer directement comme d'habitude, j'espère que la technique va marcher. Regardons, oui, à vous la parole comme d'habitude, vous savez que c'est l'occasion pour vous d'écrire une phrase. Ce matin, en me levant, je me suis dit, allez, je vous donne une petite minute pour m'écrire une belle phrase et après je ferai la correction. Mmh.
Alors, Julia est la première. Julia nous dit, bonjour Julia, ce matin, en me levant, je me suis dit non. Aujourd'hui, avec un U-A-U-J-O-U-R, tu vas courir et point. Très bien, ah bah écoutez, ça c'est une bonne décision. J'espère qu'il fait beau là où vous êtes et que vous pourrez courir, ce serait pas mal. Je serai... ouais, faites attention, personnage, c'est quelqu'un qui est fictif, donc une personne peut-être, vous voulez dire, je serais une meilleure personne. Très bien. Ashley nous dit, où est passé le soleil? Ben, je ne sais pas, peut-être que là où vous êtes, il n'y en a pas. Ashley, là où je suis, il y a du soleil. Youpi! Alors, est-ce que les autres veulent participer? J'aimerais bien que les gens m'écrivent des phrases. Si vous n'écrivez pas, on va passer à l'exercice suivant. Je vous donne, allez, une toute petite seconde encore. Alors, Garité nous rejoint et bonjour Garité, vous pouvez participer au cours, continuez la phrase que nous avons à l'écran. Ce matin, en me levant, je me suis dit... Alors, Marois nous dit, ce matin, en me levant, je me suis dit... un autre jour de pluie. Marois, dans ces cas-là, il faut considérer que la pluie, c'est bon pour la nature. Je ne sais pas dans quelle région vous êtes, mais ça doit être très, très vert. Et ça, c'est sympa. Ensuite, alors, Gorten Minoc nous dit, super, je ne... ferai pas le travail jusqu'à cet après-midi. Ouais. Alors, faites attention. Ouais, ferai. Alors, si vous mettez je ne ferai, et j'imagine que vous voulez mettre ici le futur. Souvenez-vous, le futur, on le prononce exactement comme ça, mais il n'y a pas de S. F-E-R-A-I. Juste comme ça. Si vous mettez le S, c'est le conditionnel. Faites attention. Abir nous dit, je me suis dit qu'il... Attention, Abir, comme d'habitude, votre petite faute personnelle, le E doit disparaître avec l'apostrophe, qu'il y a beaucoup de choses à faire. Le reste, c'est parfait. Kanika, bonjour Kanika. Ce matin, en me levant, regardez, parce que la forme, c'est une forme pronominale, hein, en me levant, je me suis dit que je vais aider ma mère pour nettoyer la maison. Ouais. Alors, vous pouvez dire pour nettoyer la maison, vous pourriez dire aussi je vais aider ma mère. Si, c'est bien pour nettoyer la maison, on va garder ça. Marois qui dit j'aime bien le soleil. Ah, ben oui, je sais, tout le monde aime bien le soleil, je crois. Allez, nous allons continuer avec l'exercice qui suit. Décrivez la scène, s'il vous plaît, une petite phrase, comme d'habitude. Thank you.
Et Sushmita nous a rejoint et elle nous écrit « Il y a quatre personnes qui jouent et… » Alors faites attention, Sushmita, vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez le gérondif, c'est-à-dire qui joue en en s'amusant, S apostrophe amusant. Ou alors vous allez conjuguer votre verbe, et dans ce cas-là, qui joue et s'amuse. S apostrophe A-M-U-S-E-N-T. D'accord ? Donc vous avez deux approches. Hein. Soit vous mettez le gérondif en plus le participe présent, ou alors vous mettez votre verbe, mais vous conjuguez le verbe au présent. Merci. Des amis jouent. Alors les Français écrivent comme en anglais, mais ils prononcent bowling. C'est toujours très amusant, le bowling. Alors donc ils espèrent pour un, ouais, à la française, un full strike. On n'a pas traduit ces choses-là, donc on les prononce un peu à la française. Alors ensuite, Gorten Minog nous dit une soirée interdite. Ouais, faites attention, interdite. Vous allez l'écrire I-N-T-E-R-D-I-T-E. Vous mettez le féminin parce qu'interdite c'est un adjectif et c'est féminin parce que soirée c'est féminin. Et on utilise l'expression en ce moment. E-N et ce moment. I Just Called nous dit des amis jouent. Le basket. Alors, I Just Called, c'est pas vraiment du basket, c'est du bowling. Tarun, bonjour Tarun, bienvenue, participez à l'exercice. Alors ensuite, Gorten, donc c'est une autre chose. Ouais, idéalement, c'est une phrase. Hein. Tarun nous dit, il joue le jeu, d'accord, oui. Abir, il y a des amis qui jouent au bowling, d'accord. Yulia qui nous dit, tout masculin, le monde, essaye de pousser la balle. On ne sait, S-A-I-T, troisième personne du singulier, pas s'ils vont réussir ou pas. C'est parfait. Berilla, bonjour Berilla. Ce matin, je me suis dit, je suis heureux, il fait beau, et je veux prendre une tasse de café sur le balcon et écouter les oiseaux chanter. Oh, très bien. Berilla, vous êtes un petit peu peut-être en retard. Berilla, rafraîchissez votre page. Et comme ça, nous serons synchronisés. Tenzin, bonjour Vincent à tous. Il y a quatre personnes qui jouent. Bonjour Tenzin. Oui, il y a quatre personnes. Faites attention, vous allez utiliser en fait le pronom relatif qui. Donc votre structure. Il y a quatre personnes qui. Donc Q, U, I. Et ça, c'est votre sujet. Donc, votre verbe, après, c'est juste « joue ». Il y a quatre personnes qui jouent. Ashley nous dit « Regardez l'expression du gars en bleu ». Oui, la balle n'a pas encore été lancée. Mais parce qu'il est enthousiaste, c'est quelqu'un. Ou peut-être qu'il joue à côté, je ne sais pas. C'est vrai, mais c'est vrai qu'il est très… Mais il est très joyeux comme garçon. Hein. Alors, peut-être qu'il est resté trop longtemps à la maison. Il est enthousiaste, même si la balle n'est pas lancée. Marwa, dans la salle de bowling, il y a quatre personnes qui jouent au bowling. C'est parfait, Marwa. Tarun nous dit, c'est une salle de sport où les amis jouent les jeux pour s'amuser. D'accord, joue à des jeux peut-être pour s'amuser et passer du bon temps aussi. D'accord, Kanika nous dit, les femmes et les hommes viennent au centre commercial pour jouer le jeu. Ouais, pour jouer peut-être ou alors pour jouer à un jeu. Hein. Choose Cho, il supporte l'homme. Effectivement, hein, on sent que, parce qu'Ashley nous dit que le garçon a une drôle de tête, mais les filles ont une drôle de position également. Tout le monde, sauf celui qui tire la boule, lui, il a une position normale. Ok, c'est bien. Hier, dans le cours Zoom, on avait attaqué des dialogues et je m'étais dit que ça pourrait être intéressant de les faire ici aussi. Alors j'espère que ça va marcher. Tenez, prenez une petite minute, cherchez le mot qui manque. Merci.
C'est ce que je pensais. C'est exactement la même chose qu'hier. Une sorte de malédiction avec ces images. Alors, nous sommes d'accord que ça bougeait tout seul. Et donc, c'est le verbe pouvoir. Est-ce que tout le monde l'avait trouvé? Ashley nous dit qu'il y a une différence entre les passionnés et les fous. C'est possible, Ashley. Je peux, faites attention, on va le conjuguer avec un X. Regardez, ça continue. Elle est très bizarre, cette chose. Ça bouge tout seul. Il va falloir que je trouve une solution. Ah, je crois que j'ai compris. Alors, attendez. Allez-y, cherchez le mot, s'il vous plaît. Et normalement, ça va être difficile. Voilà. Alors, pourrait... Oui, excusez-moi, Marois, j'étais un petit peu perdu dans mes choses techniques, comme d'habitude. Oui, pourrait, c'était possible, effectivement. Peut, ce serait une possibilité plus basique, mais pourrait, c'était très très bien. Alors ensuite, voilà, donc, normalement, ça devrait marcher pour tout le monde, là. Donc, c'était effectivement, j'ai ici réservé. Donc, c'est le passé composé. Berilla qui a rafraîchi la page. Merci, Berilla. Moi aussi, j'ai des problèmes techniques, ne vous inquiétez pas, comme d'habitude. Alors, regardez. Voilà. Est-ce que ça marche? Bien sûr que non. Oui, j'ai réservé. C'était le passé composé de réserver, donc avec un accent. Très bien. Ensuite, regardons la partie suivante. Alors, ne vous inquiétez pas pour les accents, hein, Gorten Minogue, on a l'habitude, donc nous savons que tout le monde ne peut pas faire d'accent. Michel nous rejoint, bonjour. Alors, je regarde, idéalement ici, je pense qu'Ashley nous avait donné la bonne réponse. On aimerait bien avoir un futur. Donc, le futur du verbe rester, ce serait resterez. Ouais. Alors, bon, on pourrait accepter vous rester, parce que finalement, on peut utiliser le présent, mais vraiment, le futur, ce serait mieux ici. Donc, j'accepte. Abir nous propose vous allez rester. Oui, hein, Abir, on est d'accord. C'est du futur proche, d'accord. Bon, c'était aussi pour essayer de travailler sur le futur. Si vous avez dans des situations comme ça, ne me proposez pas la facilité. Essayez de trouver les choses qui sont plus difficiles pour vous. Même si vous faites une erreur, c'est pas grave finalement. Donc ici, c'était le verbe rester. Donc au futur, vous resterez. Regardez la suivante. Tarun demande si le présent est correct. Oui, vous savez, tout est correct, c'est-à-dire on pourrait imaginer le présent. C'est un petit peu bizarre, Tarun, d'utiliser le présent parce que c'est pour le futur. Donc, Abir avait proposé le futur proche. Le futur proche, c'est plus sûr. Le futur simple, resterait, c'est plus acceptable, on va dire, parce que c'est vraiment le temps du futur. Le présent, bon, c'est acceptable, mais c'est un petit peu bizarre, on va dire. Alors, pour celle-ci, je pense que tout le monde avait trouvé oui. Cosmina était la
première, habir aussi. Donc ici, on parle de comment, effectivement. Donc j'aimerais savoir comment accéder à votre parking. Il n'y a pas de problème, tout va bien. Michel, rafraîchissez votre page et on sera synchronisé. Apparemment, il y a un petit décalage. Regardons la suivante. Alors là, je vois qu'effectivement, Ashley voulait se précipiter, et puis après, il a réalisé que non. Marois, faites attention. Regardez, je vous le mets ici. Ouais. Faites attention entre la différence entre droit, et là, l'expression tout droit, hein, et droite. Vous savez, la droite et la gauche, hein, ça, c'est la différence entre les deux. Donc ici, c'était plutôt l'expression « vous allez continuer tout droit hein. ». Alors je regarde, je pense que tout le monde l'a trouvé. Donc Ashley a fait de l'autocorrection. Et ça, je dis bravo Ashley. Tarun, c'était bon. Yulia, pas de problème. I just called, c'est bien. Gorten Minogue, c'est parfait. Et Berilla, c'est parfait. Bah, écoutez, tout va bien. Regardons la suite. Alors, regardons, parce que là, en fait, quand vous regardez cette phrase, je ne vais pas tourner la page tout de suite, comme ça, vous pouvez chercher. Regardez le début. Le début, c'est « vous verrez une entrée de parking ». Donc ici, on démarre déjà dans le futur. On est dans le futur simple, c'est le verbe « voir ». Le verbe « voir », il est au futur. « Vous verrez une entrée de parking ». Donc, logiquement, on peut imaginer que, et regardez, le verbe « devoir » qu'on va utiliser, on va le mettre aussi au futur et on va obtenir la forme « devrait ». Tarun propose « doivez » qui n'existe pas encore, mais c'est pas grave, parce que finalement, vous avez fait la même erreur que les autres. Tout le monde a utilisé devait, je crois. Attendez, je suis en train de regarder. Je pense que tout le monde est resté dans le présent. Alors que, idéalement, comme on avait un début, là, la personne est en train de parler au futur. Hein. Vous verrez une entrée et vous devrez. D'accord. Donc là, on est vraiment dans le futur. Si vous le mettez au présent, c'est un petit peu bizarre. Mais tout est possible avec la langue, hein, on va dire. Mais ça devrait être un futur. Le verbe devoir, je devrais, tu devras, il devra, elle devra, nous devrons, vous devrez ici, ils devront, elles devront. Voilà, regardons la suite.
Alors, je vous laisse encore répondre parce que si vous voulez que je vous dise véritablement la vérité, je n'ai toujours pas vu de bonne réponse. Attendez, je suis en train de regarder vers le haut. Non, 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 non. Non. Ah non, je ne vais pas. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vois pas de bonne réponse. Essayez de me trouver le bon pronom. On est d'accord qu'on est en train de chercher un pronom là. Alors, regardez ces Marois, bravo Marois, qui est suivi de Berylla 71. Ashley finalement a décidé de mettre aussi le bon pronom. Chekri Iman a mis le bon pronom aussi. Cosmina Bellou nous met le bon pronom aussi. Taroun nous met le bon pronom. Michel nous met le bon pronom. Gorten Minogue nous met le bon pronom. Oui. Faites attention, c'est le pronom Y. Accéder à un endroit. Et vous savez, ici, on est en train de parler d'un lieu, finalement. Donc, on peut y aller, on peut y accéder, on peut y arriver. Hein. Souvenez-vous, c'est le pronom Y. Ashley nous dit, c'est trop tôt pour mon cerveau. Mais prenez, faites comme moi, je les prenais, prenez un thé, moi je prends un café là et ça va, c'est pas facile mais ça va. Allez, ça continue. Donc là, il semble que ce soit clair pour tout le monde. C'est sécurité, pour des raisons de sécurité. Alors avec les accents, ou si vous n'avez pas les accents, bah écoutez, c'est pas très très grave. Souvenez-vous qu'il y a deux accents aigus sur le premier E et sur le dernier E. Donc là, tout est clair. Continuons. Alors, regardons. Oui, ici, nous sommes à la recherche, en fait, de parfait. Marwa, faites attention. Marwa, vous nous proposez l'adverbe, mais ici, on ne va pas l'utiliser avec être, hein, souvenez-vous. Ici, ça va vraiment être un adjectif, hein, parfait, et pas vraiment l'adverbe. Bah alors, bon, Cosmina nous propose bien.
Oui, c'est bien comme ça. Bon, on peut être un petit peu plus généreux dans les mots, on pourrait dire c'est parfait, ça fait plaisir à la personne. Je regarde les autres réponses. Non, tout est bien là, tout est bien, oui, pas de problème. Regardons ça. Et donc là, on est à la recherche finalement d'une expression assez classique, hein, et c'est vraiment quelque chose qu'on utilise très très fréquemment, et c'est tenez. Vous allez donner quelque chose à une personne et vous allez utiliser tenez comme expression. Alors, oui, Ashley avait proposé voici, qui faisait voici, voici, mais. Et après, il a dit zut, il a réalisé son erreur. I Just Called nous a donné la bonne réponse. Cosmina, Marwa, Michel, tout le monde nous donne à peu près la bonne réponse. Tarun qui dit je ne sais pas. Alors, ça, c'est positif, Tarun, parce que vous savez maintenant, vous connaissez l'expression tenez, hein, et c'est vraiment quelque chose. Quand on donne quelque chose, on va utiliser cette expression. Et là, on utilise la forme vous, hein, donc la forme de politesse. Si on donne quelque chose à une personne qu'on connaît, on va dire tiens, hein, T-I-E-N-S. Ici, c'est la forme vous, donc tenez. Alors Ashley qui dit, oubliez-moi, je ne suis là que pour la musique. Oh non, 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 non. Il faut travailler un petit peu, hein. Il faut travailler, Ashley. Allez, à vous la parole. On va sortir de ce dialogue terrifiant. Mon meilleur souvenir d'enfance, c'est. Allez, je vous écoute. Thank you.
Alors, regardons ce que vous avez commencé à écrire. Cosmina Bellou nous dit: mon meilleur souvenir d'enfance, c'est ma grand-mère. Ben écoutez, c'est magnifique, Cosmina. Regardez grand-mère. Alors, vous n'avez pas d'accent, pas de problème, mais souvenez-vous, grand-mère, accent grave sur le E. Alors, Michel nous dit: c'est la première fois que je me suis jeté dans une piscine de profondeur de 2 mètres et j'ai nagé tout seul. Que j'étais fier de ça. Oui, vous pouvez être fier parce que ça fait toujours peur hein, de sauter dans une piscine quand on n'a pas pied. C'est l'expression avoir pied. Là, quand on n'a pas pied, ça fait toujours peur. Ashley, allez, je ne me souviens pas de ce que j'ai mangé hier. Oh, c'est pas très très courageux ça, Ashley, hein. Vous méritez mieux. Tarun, mon meilleur souvenir d'enfance, c'est mon école. Très bien. Gorten Minogue nous dit: quand j'étais à la plage, mettez l'article, à la plage avec ma famille nombreuse, dans la côte du Galway. Ouais. Peut-être sur la côte, c'est peut-être la meilleure préposition. Marois, mon meilleur souvenir d'enfance, c'est nager dans la mer en été. Très bien. Michel, c'était d'une profondeur, hein, souvenez-vous, profondeur, c'est féminin. Quand on parle des mesures, souvenez-vous, Michel, c'est féminin, même si ça finit en heure, la hauteur, la profondeur, la largeur, etc. Sushmita, mon meilleur souvenir d'enfance, c'est mon école. J'aime mes profs. Ils ont aidé. Ouais, vous pourriez peut-être mettre le pronom il me, mais alors vous mettez l'apostrophe, hein. Ils m'ont aidé beaucoup pour bien étudier. Et le temps avec mes amis est très mémorable. Ben ça, c'était parfait. Cosmina, je n'ai pas d'accent. Oui, non, pas de problème, hein, Cosmina. C'est juste pour l'information, pour vous, hein. Alors, Ngoc nous dit: je suis. Alors d'accord, très bien. Eh bien, c'est bien. Affirmez votre existence. Chécri nous dit: passez. Ouais, Chécri, faites attention. Passez les. Vous allez mettre au pluriel, ok? Passez les vacances à la campagne. Souvenez-vous, Chécri, on écrit campagne CAMPAGNE. À la campagne. D'accord. Julia qui nous dit: mon meilleur souvenir d'enfance, c'est quand j'ai essayé de fumer parce que je voulais ressembler à Tom Sawyer. Waouh! Eh, formidable phrase. Pas de faute, c'est très bien. Tarun nous dit: quand j'étais enfant, je jouais. Ouais. Alors faites attention. Échec, ça va être au pluriel. Donc les échecs. Et si vous combinez avec la préposition à, parce qu'on dit jouer à quelque chose, jouer aux échecs avec mon père. Racha Rinchou nous dit: le premier voyage avec mes meilleurs amis, j'ai passé de beaux jours, masculin, BEAUX pour l'adjectif. C'était très amusant. D'accord. Eh bien, écoutez, c'est formidable, pas de problème. Attendez, je suis en train de regarder. On va passer, si tout le monde a écrit, à notre petite question de vocabulaire, comme d'habitude, décrivez la scène. S'il vous plaît, décrivez-moi la scène. C'est pour mettre un petit peu. Voilà, ça c'est pour Ashley, comme ça j'espère que ça va lui mettre un petit peu d'énergie. Allez, on continue.
Alors, s'il vous plaît, Tarun, idéalement, vous écrivez une phrase pour décrire la scène. D'accord? Donc, l'idée, c'est de faire des phrases et puis on va voir ensemble s'il y a des corrections. Abir nous a envoyé son texte sur son souvenir d'enfance. Et donc, mon meilleur souvenir d'enfance, nous dit Abir, c'est quand j'ai rendu visite à mes grands-parents qui habitent à l'extérieur. Souvenez-vous, Abir, là, vous voulez utiliser le pronom relatif qui, en fait, parce qu'il est sujet du verbe habiter. D'accord? Donc, ça va être qui. À l'extérieur, Abir, je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire. Est-ce que vous voulez dire à l'étranger, c'est-à-dire dans un autre pays? Si vous dites à l'extérieur, on imagine que c'est le contraire de l'intérieur. À l'intérieur de la maison, à l'extérieur de la maison. Donc c'est un petit peu bizarre à dire, mais est-ce que c'est l'étranger peut-être? Alors, Sushmita est la première à nous écrire une belle phrase. Elle garde le vernis à ongles à son ami. Peut-être pas le verbe garder, je ne pense pas que ce soit vraiment ce que vous vouliez dire. Essayez de me dire exactement ce que vous voulez faire avec cette structure. Elle garde, je ne comprends pas vraiment ce que vous voulez dire. Tarun nous met encore. Alors Tarun, des phrases, s'il vous plaît. Ce serait gentil, merci. Yulia nous dit, oh là là, c'est une scène très féminine. Faites attention parce que scène, c'est un mot féminin, donc l'adjectif féminine devrait être au féminin. J'ai senti la mauvaise odeur. N'oubliez pas le... Ah! Et vous mettez au présent, si vous mettez au présent, dans ce cas-là, je sens S-E-N-S. Je sens la mauvaise odeur. Alors, Michel nous dit, les femmes jouent en se peignant les ongles en rouge vif. On va utiliser la préposition en. I just called nous dit, deux filles font manucure. D'accord, vous aviez envie d'utiliser manucure. Félicitations. Cosmina nous dit, une activité inutile en ce moment. De toute façon, personne ne les verra. Très bien. Ah ben la question, Cosmina, c'est est-ce qu'on fait ça pour soi ou est-ce qu'on fait ça pour les autres, hein? Ça, c'est une question. Gorten Minogue nous dit, il y a deux femmes qui sont occupées. Ouais, faites attention quand vous dites qui sont occupées. Occupées, vous allez être obligé de le mettre déjà, alors pas ER, mais E accent aigu. Ça, c'est la forme basique. Après, vous allez mettre le féminin, c'est-à-dire que vous allez ajouter un E. Et après, vous allez mettre le pluriel parce qu'il y en a deux. Et vous allez mettre le S. Donc, occupées. O-C-C-U-P-E accent aigu E-S avec leurs ongles en s'amusant à faire le vernis, on pourrait dire, ou à mettre du vernis, plus que c'est plus mettre du vernis. Hein. Alors, Racha Rinchou qui nous dit peut-être que cette scène est au niveau du salon de manucure, d'accord, où l'esthéticienne essaye. Faites attention, le verbe essayer, vous savez, quand vous conjuguez. Le verbe essayer au présent, normalement c'est A-I-E. De vernir, ça c'est bien. V-E-R-N-I-R, il n'y a pas de E. L'ongle du client, je crois que c'est une femme, donc c'est de la cliente probablement. Ashley, combien de n'importe quoi pensez-vous que l'on dit entre les deux? Je ne vous comprends pas ce matin, Ashley. Alors, pardonnez-moi, je ne sais. Non. C'est mystérieux. Alors là, c'est mystérieux. Ah.
Alors, Berilla 71, et c'est le dernier peut-être, nous dit je vois du vernis à ongles, elles vont probablement à une fête ensemble. Oui, probablement. Sadaf, bonjour Sadaf, vous pouvez participer au cours. Et regardez, nous passons à l'exercice suivant. On va faire des expressions. Donc là, c'est du français parlé. On avait déjà fait un exercice comme ça. Donc c'est pas toujours très très facile, mais essayez. Alors là, bien sûr, on va encore avoir des problèmes avec. Voilà. Essayez de me trouver le mot qui manque. Bonjour Joseph et bienvenue dans le cours. Alors, je pense que la seule personne qui a trouvé la bonne réponse, je crois que c'est Yulia. Non, je retire ce que j'ai dit puisque... Alors, attendez, voilà, bien sûr, c'est comme ça que ça va marcher. Regardons. Racha Rinchou nous donne aussi la bonne réponse. Donc là, nous sommes d'accord que ce sont des expressions. Alors, faites attention, on n'utilise pas... on n'utilise pas ces expressions-là avec tout le monde. C'est vraiment du français parlé. Donc, si vous êtes dans des situations qui sont des situations très formelles, situations professionnelles ou vraiment des situations sérieuses, on évite d'utiliser ces expressions. Ça, c'est vraiment du français parlé. Hein, c'est pour vous donner les éléments de comprendre certaines expressions. Donc l'expression « j'en ai plein les pattes »,« je suis fatigué », »,« je suis... j'en ai marre », c'est une autre expression qu'on peut utiliser assez facilement. Regardez, alors mais il y en a, Racha Rinchou nous dit, il y en a, ça revient à quoi? Racha Rinchou, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire vous êtes fatigué, vous êtes vraiment, vous en avez assez de quelque chose, j'en ai assez, j'en ai marre, j'en ai plein les pattes, c'est synonyme, mais faites attention, on n'utilise pas ça dans toutes les situations. Regardons la suite, et c'est celle-ci. Alors, Bécurte nous rejoint. Bonjour Bécurte et No Reason nous rejoint. Cela me permettra d'améliorer mon anglais. Oui, mais No Reason, je ne parle pas anglais dans ce cours. Hein, c'est l'idée. Mais effectivement, c'est entre l'anglais et le français pour les exercices comme ça. Allez, cherchez le mot qui manque, s'il vous plaît. Yulia Kindi, I'm fed up. Oui, c'est exactement ça. We'll be right back.
Alors, regardons, et ici, l'idée c'était de trouver juste pour. J'en ai pour 5 minutes, hein, j'en ai pour 5 minutes. Je pense que tout le monde, non pas vraiment tout le monde, certaines personnes. Ah, la femme besoin. J'ai un doute, Marois. Je vois votre message, mais j'ai un doute. Je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire. Prendra. Oui, mais regardez, vous avez déjà aussi. Berilla propose prendra. Tenzin propose prendre. Alors, Gorten Minogue nous dit prix. Faire. En fait, non. J'en ai pour 5 minutes, c'est-à-dire que ça va me prendre 5 minutes pour le faire. Vous pouvez l'adapter, hein, à la durée nécessaire. J'en ai pour 1 seconde, j'en ai pour 1 heure. C'est tout simplement pour indiquer le temps nécessaire pour effectuer une tâche ou une action. J'en ai pour 5 minutes. Continuons avec la suivante. Finzark vient de nous rejoindre. Ben écoutez, bienvenue Finzark. Je crois que tout le monde a trouvé effectivement ici le pronom en. J'en ai pour mes frais. Bon, je crois que ça, c'était pas très très difficile apparemment. Nous pouvons probablement passer à la phrase suivante. Regardez. Alors, Norizon nous dit bye, bisous de la Martinique. Eh bien, écoutez, profitez, profitez du beau temps que vous avez probablement en Martinique. Alors, regardons vos propositions. Et alors, on a plusieurs possibilités. Donc, moi, j'avais mis moment. Je vois. Alors, Cosmina Bello qui pensait comme moi. Je vois No Reason qui nous dit un bout de temps. Un bout de temps, c'est totalement acceptable, oui. Julia, un peu de quelque chose. Donc, c'est pas vraiment possible. Tarun nous dit j'en ai pour un instant. Oui, un instant, c'est vraiment plus court. C'est-à-dire qu'on a, Tarun, on a le sentiment que un instant, c'est une seconde, hein, c'est pas longtemps. Faites attention avec ça, donc il y a une petite nuance. Grammaticalement, c'est possible. Ice Cube, j'en ai pour un temps, pas vraiment, ça, c'est pas possible. No Reason, j'en ai pour un. Faites attention, No Reason, on ne peut pas utiliser longtemps parce que longtemps, c'est un adverbe. Et là, on a un article. Un. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas le mettre avec un adverbe, c'est bizarre. Hein? Michel nous dit un moment, Michel IE nous dit un instant, ouais, c'est acceptable. Joseph nous dit un peu de temps, non, Joseph, c'est pas vraiment possible là, d'accord. Finzark, un moment, c'est bien. I just called quelques temps, oui, mais regardez, I just called, le problème c'est qu'on avait l'article 1, donc c'est pas possible. Hein?
Bekurt, un peu, c'est pareil, c'est un petit peu étrange. Tenzin, un instant, ouais, ça je l'accepterais, mais c'est très court, un instant. Un moment, c'est un peu plus long, hein, on est d'accord. Alors regardons le suivant, et ce sera peut-être le dernier pour ce cours-là. Allez-y, cherchez. Alors, regardons vos propositions et on peut comparer avec ma version ici. Bon, alors personnellement, j'avais mis, comme on avait expliqué, on peut utiliser là cette notion de présent pour exprimer le futur. J'en ai pour une minute, hein. Ashley avait proposé le futur. J'en aurai pour une minute. Bon, c'est possible aussi. On l'utilise assez rarement, cette forme au futur, mais c'est possible. C'est tout à fait possible. Michel nous dit aussi aurait. Les autres nous disent est. Finzark nous dit aurait. C'est bien de mettre le futur. Hein, c'est bien de mettre le futur. On a tendance, quand on parle, à utiliser plutôt le présent. Donc j'en ai. Voilà, je suis en train de regarder les autres. Bekurt, faites attention. On peut pas mettre juste Bekurt parce que ça doit être un verbe ici. Si vous regardez la structure, on n'a pas de verbe. C'est-à-dire que ici c'est le verbe juste avoir et on doit avoir un verbe dans la phrase. Donc tout le monde a à peu près la bonne réponse, soit le présent, soit le futur. Ashley, double L. Pourquoi double L? Oui. Parce que je suis un homme généreux, Ashley. Alors, ah mais c'est comme ça, monsieur. Des fois, on n'est pas toujours au top. On fait ce qu'on peut. Alors, ce que je vous propose, si vous voulez, je vous propose de faire, parce que je suis en forme et parce que j'ai la possibilité, et si vous êtes libre, on fait une pause, comme d'habitude, un petit café, et puis après on continue donc dans 5 minutes, et puis on va continuer. J'ai encore des exercices, donc ne vous inquiétez pas. Si vous avez envie de continuer, je serai là, mais dans 5 minutes. J'arrête le stream, je démarre un autre, comme d'habitude, et puis on peut continuer ensemble. Merci. Thank you.
Thank you.